Marijuana, crack, héroïne, exta. J'étends mon pouvoir sur la rue, baiser, je fais que ça. Je commence à connaître les lois, aucune de bonne pour moi. À la différence de ce que se fait l'avocat comme pour boire. La première personne que j'ai butée avait passé 40 piges. J'en avais 16 et les saignées de façon prestigieuse. Exactement comme s'il s'agissait d'une affaire religieuse. J'ai la réputation d'ôter les yeux des donneuses. J'ai trouvé ce gamin 12 ans gros fringue, mais il va pas tirer sur moi. Il dit qu'il a déjà tué, mais c'est loin d'être sûr ça. Et ceux qui font les sorts nettement, je leur donne qu'un sursis. S'il a des balles, moi je vais lui trouver tirer sur qui. Je me congé au dealer qui lui passe le crack, c'est enfantin. Le premier client qui vient veut 40 pour un billet de 20. En espérant qu'il ose, je dis celui-là tu me l'exploses. Il a tiré dans le cœur comme on dépose une rose. C'était encore une de ces histoires débiles. Les enquêteurs n'ont même pas cherché le mobile. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Première victime, père de ces jeunes filles. J'ai 12 ans, ma mère s'est barrée. Ma grande sœur est une prostituée. Mon grand frère est cané, mais j'ai son calibre. Mon avenir, faudra venir me chercher. Je peux pas vivre de rapine, faut que je participe au kidnapping. Au plan costaud, genre cocaïne. Je veux pas qu'on sache que j'ai tué personne. Mais c'est qu'il y a tout, jour une heure qui sonne. Une seconde de détente, un canon qui détonne. Mon instinct me pousse dans ce quartier où les gens me connaissent pas. Par là, y'aurait beaucoup plus de clients que chez moi. Mais s'ils viennent à griller mon plan, faudra que je les flingue très vite. Y'a un mec qui s'approche, mais faut pas que je l'évite. Il a les airs de macro, commence à discuter. Dit que j'ai beau être enfouraillé, que je pourrais pas le duper. Il me donne des sachets de crack, et là pour moi c'est le jackpot. Y'a un camé avec un billet de vin qui tricote. Il pue le vin et baragouine, mais qu'est-ce qu'il tricote. Il a signé son arrêt de mort, mon nouveau patron radote. C'était encore une de ces histoires débiles. Les enquêteurs n'ont même pas cherché le mobile. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Première victime, père de ces jeunes filles. C'était encore une de ces histoires débiles. Les enquêteurs n'ont même pas cherché le mobile. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Première victime, père de ces jeunes filles. Il est minuit et demi et j'ai torché ma bouteille. Les villages, c'est cher tout ce qu'on nous paye. Au RSA, j'ai perdu mon taf, ma femme c'est courable. Au lieu d'en chercher d'autres, moi j'ai bu toute ma cave. J'ai tout d'une épave, mais elle n'a pas arraché de vine. Nos deux ados qui me font le ménage et la cuisine. Ils me voient plein comme un sac, mais n'ont pas l'air anxieux. Depuis quelques temps, je fume du crack, mais ils ferment les yeux. J'essaie d'oublier leur mère et surtout qu'on a besoin de son fric. C'est l'heure d'aller prendre l'air et puis d'est-ce qu'est devenu mon kiff. Je connais un dealer qui pourra me faire une avance. Cette saloperie boule vite, alors il m'en faut pour 40. À sa place, je trouve un gosse qui me demande combien j'en veux. Je vois pas de moi ce boss, c'est un mec à l'air dangereux. Mais je veux négocier mon crack, à ce moment j'ai vu son arme. Juste le temps de me dire j'ai 43 ans. C'était encore une de ces histoires débiles. Les enquêteurs n'ont même pas cherché le mobile. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Première victime, père de ces jeunes filles. C'était encore une de ces histoires débiles. Les enquêteurs n'ont même pas cherché le mobile. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Première victime, père de ces jeunes filles. Bow, bow, bow.